Les méthodes que j'utilise avec les enfants implantés dépendent essentiellement du projet parental. Donc le projet parental, il commence au diagnostic de la surdité de leur enfant et puis il est discuté lors de la rédaction du projet MDPH par les parents et évidemment il s'affine au cours du temps. Il doit être sans cesse réévalué. Et puis, elles dépendent aussi, ces méthodes, de l'évolution de l'enfant, de son développement. Donc, dans le terme méthode, moi, j'entends des outils comme la méthode verbotonale, la méthode de la dynamique naturelle de la parole, qui sont dans ma boîte à outils d'orthophoniste. Et puis, le projet parental va pouvoir nous guider aussi sur quelles aides à la communication on va pouvoir offrir à l'enfant, comme le LPC, la langue parlée complétée, par exemple, ou si les parents ont un projet bilingue, de la LSF. Alors, dans ma boîte à outils, il peut y avoir des signes issus de la LSF, donc que j'utiliserai soit en faisant du français signé, c'est-à-dire en accompagnant la parole orale avec des signes. Par exemple, le bébé mange. Voilà, donc là j'ai fait du français signé. La méthode Makaton que les parents peuvent connaître se base également sur la LSF. Va également accompagner toujours le langage oral, mais avec certains signes qui sont simplifiés. Par exemple, on va plutôt faire le bébé mange. Donc voilà, je vous ai donné ces deux exemples. Après, en aide à la communication, on a la LPC. La LPC, c'est un code et c'est un outil qui permet de visualiser tous les sons de la parole. Donc par exemple, on parle souvent des sosies labiaux pain, bain, main. Pour une personne qui entend mal le pain, bain et mince, donc c'est un sosie labial. Avec la LPC, je vais clarifier tout ça avec, on parle de clé avec ma main, donc pain, bain et main. Concernant la LSF, je la mettrai vraiment à part puisque c'est une langue à part entière, avec sa syntaxe propre. Et logiquement, si les parents ont fait un choix d'implant cochléaire, c'est qu'ils ont fait le choix d'un projet oraliste pour leur enfant. Et donc, du coup, cette méthode gestuelle n'est pas concernée par l'oralisme. En revanche, le projet parental peut être un projet auditif pur, un projet auditif avec des aides à la communication, dont la LPC et le français signé. Et puis du coup, j'ai mis de côté tout ce qui était LSF avec donc pas d'oralisation. En tant qu'orthophoniste, moi je vois des profils d'enfants qui apparaissent. Pour un enfant qui a un diagnostic précoce sans trouble associé, l'oralisme pur est tout à fait adapté et donc on y reviendra plus tard. Pour un enfant qui a des difficultés d'entrer dans la langue, à ce moment-là, il aura peut-être besoin d'aide à la communication et la LPC et les signes peuvent l'aider. Enfin, c'est la même chose pour un enfant qui a un dépistage tardif. Sans doute que des aides à la communication seront nécessaires. Par ailleurs, moi je propose quand même pour ces parents qui ont un projet oralisme pur de pourquoi pas passer quand même par des petits gestes quand l'enfant est jeune, comme on l'aurait fait avec des enfants normaux entendants en crèche par exemple. On sait que de plus en plus de personnel de crèche sont formés au baby sign. Pourquoi ne pas l'utiliser avec des enfants qui sont sourds en attendant, en fait, en attendant
d'avoir une perception suffisante grâce à l'implant, grâce aux prothèses. Je peux vous parler également de la méthode verbotonale qui est très importante encore pour nous les orthophonistes, qui est une méthode qui s'inspire du rythme, qui va du coup s'appuyer sur les restes auditifs des enfants et c'est une méthode de rééducation de la parole pour ensuite accéder au langage. La dynamique naturelle de la parole s'inscrit dans la même dynamique avec peut-être une part artistique en plus, avec des couleurs, avec des codes couleurs et des traces qui correspondent à la parole. Dans les méthodes que l'orthophoniste peut utiliser, il y a la méthode Borel-Mézoni qui à l'origine est une méthode pour la lecture, pour l'apprentissage de la lecture. Donc c'est l'utilisation de gestes associés à des sons. Donc par exemple le P ou le, voilà, donc ça peut aider pour la lecture mais également pour quelques troubles d'articulation. Dans les méthodes qui ont le vent en poupe, je peux vous citer également l'AVT, l'Auditory Verbal Therapy. Donc là, ça correspond, enfin, quand on fait de l'AVT, il faut que on ne peut pas en faire à moitié, puisque c'est une méthode oraliste pure qui ne se sert pas des aides visuelles, donc pas de LPC, pas de signes. Comme aide à la communication, on trouve également des pictogrammes qui peuvent aider à la mise en place du langage oral. Une dernière aide à la communication qui est plutôt pratiquée en Belgique, c'est le français complet signé codé. Donc c'est une alliance de LPC et de signes. Alors l'accompagnement parental, il est primordial à la prise en soin en orthophonie. Pour moi, il est vraiment essentiel et je dis toujours aux parents que moi, je ne suis rien sans eux. Donc c'est eux les principaux acteurs, c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Maintenant, on voit différentes étapes quand même dans l'accompagnement parental. La première, c'est la notion de guidance parentale qui est en fait juste donner des conseils, des conseils pratiques aux parents, moi en tant que spécialiste. Voilà, ce sont des conseils spécifiques qu'on peut surtout donner en début de diagnostic. Ensuite, il y a la notion d'accompagnement parental. Donc là, c'est on va demander aux parents de reproduire des choses qui ont été vues en séance, par exemple. Le but, ça va être de dynamiser les échanges au quotidien, que les parents appliquent les conseils qu'ils leur ont été donnés en séance d'orthophonie. La dernière étape, qui est l'ultime étape, c'est la notion de partenariat parental. Donc à ce moment-là, les parents sont vraiment co-décisionnaires dans le processus de prise en soin de leur enfant. Et c'est un partage de savoir, dynamique où ils sont, chacun est vraiment intégré dans ce processus-là et avec l'enfant au cœur de nos préoccupations. Ça nécessite quand même des petits ajustements, cet accompagnement parental. Ça nécessite le fait que les parents soient présents à toutes les séances. C'est vraiment important, surtout au début. Et puis ça nécessite qu'il y ait un véritable climat de confiance qui s'établisse pour qu'il y ait vraiment des échanges dynamiques et une alliance thérapeutique entre les parents, l'orthophoniste, pour le bien de l'enfant. L'accompagnement parental, il est nécessaire à toute prise en soin en orthophonie et quelle que soit la pathologie. Maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable de la prise en soin en orthophonie. Et cet accompagnement parental se base sur l'evidence-based practice, donc en anglais, en français, la pratique basée sur les preuves, qui a trois pôles. Donc le premier, c'est vraiment se baser sur les meilleures méthodes scientifiques qui ont fait leurs preuves. Le deuxième, c'est la clinique du praticien.
Et puis le troisième, c'est la situation du patient, les choix du patient et de ses parents. Donc l'accompagnement parental se situe parfaitement dans cette dynamique. L'AVT, c'est une approche qui est basée uniquement sur l'écoute pour le développement du langage, de la parole et du langage de l'enfant sourd. Dans l'AVT, les parents ont des objectifs précis avec des exercices à réaliser au quotidien. Et en fait, les parents sont coachés par un thérapeute certifié et en fait deviennent eux-mêmes thérapeutes de leur enfant au quotidien. Pour ma part, je ne suis pas certifiée AVT. En revanche, je suis orthophoniste et comme de nombreux orthophonistes qui se sont formés à la surdité en France, on a une grande mallette à outils et dans cette mallette, il y a quelque chose qui est pratiqué depuis extrêmement longtemps, qui est l'éducation auditive. On a toujours fait de l'éducation auditive en orthophonie pour les enfants sourds. Du coup, il y a certaines techniques AVT qui s'apparentent réellement à ce que nous, on peut faire en prise en soin en orthophonie. Je vais vous donner des exemples. Hein, l'exemple, par exemple, de sandwich auditif est intéressant. C'est-à-dire, je donne toujours le mot avant de montrer l'objet. Et puis je montre l'objet et je dis le mot et je reprends le mot à l'oral seul. Ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, tout comme ce qu'ils appellent en AVT la brillance acoustique que moi je peux faire naturellement en tant qu'orthophoniste et d'ailleurs pas forcément avec des enfants sourds. Si je vous donne l'exemple d'un profil, du profil d'une petite fille qui a reçu un diagnostic précoce, deux implants à l'âge de 1 an, pour qui, quand elle était petite, on a mis en place des petits signes, comme on aurait fait du baby sign, pour mettre du sens sur ce qu'elle n'entendait pas forcément bien au départ. Et puis ensuite, une rééducation avec de l'éducation auditive à fond. Et du coup, une petite fille qui a suivi un développement de perceptif et langagier, qui a eu un bon développement perceptif et qui du coup a permis un développement langagier dans la norme des enfants normaux entendants. Et du coup, c'est une petite fille qui a une scolarité normale, enfin en milieu ordinaire, et avec qui on a arrêté les séances d'orthophonie en fin de moyenne section. Voilà, donc elle a développé d'excellentes compétences perceptives dans le silence et dans le bruit. Elle a un langage actuellement qui est complexe. Elle perçoit toutes les subtilités de la langue, l'humour, l'ironie, tout ce qui peut être un peu plus compliqué dans le langage. Voilà, donc ça c'est pour le... Enfin, et puis c'est une petite fille qui a reçu deux implants aussi, hein, ça aide. Maintenant, si je prends un petit garçon qui a des troubles associés, qui également a eu un dépistage précoce, qui a du coup bénéficié dans le cadre d'un SAFEP, donc dans un centre pour 0-3 ans, d'une éducation auditive assez importante, cet enfant-là, en fait, il y a des troubles du spectre autistique qui sont apparus. Il a bien bénéficié en fait de son éducation auditive. Du coup, moi, je l'ai reçu un peu plus tard en cabinet pour faire le relais avec un autre centre. Et en fait, c'est un petit garçon qui s'est mis à parler vers l'âge de 3-4 ans. Vers 3-4 ans et qui du coup a investi le langage en tout cas au niveau perceptif ça va plutôt bien, il réagit à la voix chuchotée, il comprend la voix chuchotée, il comprend sans lecture labiale, il a eu besoin des signes lui, beaucoup, et puis il s'en détache.
il s'en détache progressivement pour mettre en place un langage fonctionnel en tout cas. Et je dirais que maintenant on utilise encore beaucoup les pictogrammes pour aider à rentrer dans le langage écrit. Après, il y a le diagnostic tardif qui, je vais peut-être être un peu moins précise, mais un diagnostic tardif, du coup, on a, évidemment, il y a une urgence d'appareillage. Et puis après, tout dépend du gain auditif. Tout dépend dans tous les cas d'ailleurs, tout dépend du mode d'apparition de la surdité, enfin de l'âge d'apparition de la surdité. Est-ce que c'est prélingual, est-ce que c'est une surdité acquise? Un enfant qui a entendu, ça sera plus facile pour lui d'acquérir le langage. Et puis, est-ce qu'on lui donne un implant, deux implants, tout ça aussi aura un impact. Un enfant qui a en tout cas un dépistage tardif, on lui donnera des aides à la communication, la LPC, des signes, pour l'aider à mettre en place le langage.